Nous allons commencer par une table de multiplication. Cécilia Bonneau, 10 fois 6. 36, monsieur Fédécourt. Parfait. Stéphane Leverbe, 9 fois 9. 81, monsieur Fédécourt. Parfait. Jean-Paul Tordu, 0 fois 7. Jean-Paul Tordu, 0 fois 7. 7. Encore une fois, tu n'as pas appris tes tables. Tu auras le bonnet toute la journée. Viens ici. Recommence. 0 fois 7, 0. Votre maître s'est absenté car il est allé à un enterrement aujourd'hui. Asseyez-vous, je vais faire l'appel. Nous allons commencer par une petite leçon de morale. Qui veut me lire cette phrase? Toi là-bas, rappelle-moi ton nom. N'importe où, Dieu, madame. Dis-moi ce qu'il y a au tableau. Il faut réfléchir. Silence! Celui qui se moque a 5 lignes pour demain. Jeune fille, que veux-tu dire? J'ai la toilette, s'il vous plaît, madame. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Allez-y, mais dépêchez-vous. Mes chers enfants, l'heure est grave. Une de vos camarades a disparu. Bien fait pour elle. Toi là, qu'est-ce que tu viens de dire? Non, rien. Bon, ça va, rentrer chez vous. Qu'est-ce que vous faites là?
du pot. N'oublie pas tête en l'air, il y a parcours sportif demain. À demain. Ok, ciao, à demain. Bienvenue à tous les participants. Le but est de faire le parcours le plus rapidement possible. À vos mains, ça doit être Astef, hein. Un truc blanc. On dirait un bout de mouchoir. Un L ou un F, je sais pas. C'est pas très bien. Regarde par terre les branches cassées. On dirait que quelqu'un s'est battu. Ouais, t'as raison. Des traces de pas qui mènent vers les bois. On croirait que quelqu'un s'est fait traîner. Si on suivait ces traces. Ah, maître, venez nous aider à retrouver Cécilie et Stéphane. Vous avez raison, allons-y. Oui, c'est celle du bouton. Et en plus, regarde ça vite. Les points de bouton. Tu crois que c'est lui le coupable? Vous avez raison, c'était moi depuis le début. Vous en savez trop, je suis obligée de vous faire disparaître. Vite, courons! Voilà! Regarde, la mission. Ah ah! Vous ne pouvez plus m'échapper! Tu nous as sauvé la vie, Steph. Attachons le maître à ta place. Vous, les filles, allez chercher de la... La police. La police. Maître, pourquoi vous avez fait ça? J'ai kidnappé vos camarades, car leurs parents étaient riches. Je pouvais aller m'installer sur une île comme ça. Monsieur Filico, vous êtes en état d'arrestation pour avoir... kidnapper deux élèves. Tout ce que vous direz pourra être retourné contre vous au tribunal. Je veux un avocat. Mais monsieur, ce n'est pas la saison des avocats. Mais je vais laisser la parole à Madame le maire. Jean-Paul Tardieu, approche-toi. Au nom de la République française, je te remets cette médaille du courage. En effet, tu as sauvé 4 élèves de ta classe. Grâce à toi, tes camarades sont sains et saufs. Monsieur fait des cours et en prison où il attend son jugement.